Voilà, salut. Et eh ben aujourd'hui, pas de poisson. La session se termine. Et en direct, en arrivant, j'ai vu un joli poisson. J'ai réussi à prendre. Avec mon très cher combo. Voilà. Alors, je dois vous dire qu'aujourd'hui, la session était placée sous un mauvais œil. On aurait pu dire que donc j'étais le maillot à poisse. Parce que je suis arrivé sur le spot, je me suis rendu compte que je n'avais pas ma sacoche avec tous mes leurres. Heureusement que je ne suis pas très organisé dans ma voiture, ce qui fait que j'en ai retrouvé quelques-uns que j'avais posés sur mon siège depuis une session. Donc voilà. Et donc dont celui-ci quand même, qui m'a valu mon poisson ce matin, mais bon, que je décroche en bordure. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de ce leurre-là. Hein, on profite pour faire un smoke fed bait. Donc c'est le SS Gill de chez OSP en 3-6 si je me trompe, 3 pouces 6. Cela m'a permis de prendre une grosse vache là en début de saison, bien grasse. Et je pense qu'il n'a pas fini encore d'en prendre. C'est un leurre qui nage vraiment de manière très planante. Alors là, il est pas plombé. Moi, quand j'ai pris mes mères avec, j'avais un plombal. Voilà, juste devant, de 3,5 grammes Zapu. Là, je l'ai monté avec un 3-0 Pin Driver aussi de chez Zapu. Donc voilà. Bah, c'est un leurre qui neige vraiment de manière très très naturelle et ça m'étonne pas qu'il prenne autant de gros basses en eau douce. Et je pense qu'il a pas fini de prendre des gros aussi en mer, des gros si basses. Donc voilà. Un leurre vraiment très très intéressant avec plusieurs types de neige. Mais bon, moi je trouve que le mieux en tout cas en mer, c'est vraiment de venir lui faire effleurer le fond. Si on met des petits coups de moulinet un peu saccadé légèrement, il va faire un léger droite-gauche comme ça, qui est plutôt pas mal aussi. Donc voilà. Après, en pêche à vue comme là ce matin, c'est vraiment essayer de le rendre le plus planant et de le poser sur le chemin du poisson quoi. Donc voilà. Donc c'était Baroleur pour la chaîne YouTube et puis on va espérer que dans les jours à venir il y aura plus de poissons. Aujourd'hui il y en avait vraiment vraiment beaucoup, des jolis, des très jolis, mais alors, impossible à faire. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, ciao.